dit tout à l'heure. Il y a une sorte de mise en abîme, en tout cas c'est le théâtre, dans cette pièce, ça permet d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans les loges et dans les coulisses pendant qu'une pièce se joue, puisque celui qui doit jouer le misanthrope de Molière, celui qui doit jouer Alceste, c'est ce personnage qui s'appelle comment d'ailleurs dans la pièce. Un que j'aime beaucoup, j'ai un peu participé, il s'appelle Alexandre Schwartz. Alexandre Schwartz. Tout ça, c'est un acteur formidable. Donc c'est un comédien et vous jouez ce comédien. Alex. Alex, qui d'un seul coup est surpris par le fait que le vrai Alceste, celui de l'époque, oui, celui... Il est plus que surpris, il croit qu'il perd la raison. Et... Ah oui, il perd la boule, donc, oui, en fait. Oui. C'est une apparition, comme ça, dans sa loge. Oui, oui, au moment où il se maquille, où il est en train de regarder les fleurs qu'on lui a offertes et tout ça, où il dispute un peu avec son petite habilleuse, et il voit apparaître quelqu'un... Il se regarde dans la glace, et puis il fait... Et puis, il se dit, oh là, j'ai une drôle de tête, hein. Bon, bah, et l'autre fait, oui... C'est quand même vrai. Et là démarre une espèce de folie qui va jusqu'au bout, enfin une folie raisonnée, réfléchie, qui est à mon avis très intéressante et qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, le débat que peut avoir Philin et le misanthrope dans la pièce, et que là, ces deux personnages actifs tout au long de la pièce avec un texte magnifique. C'est surtout ça qui me faisait plaisir, parce que j'ai beaucoup joué de comédie où le texte... Attendez, c'est pas possible ce que je vois dans la glace, là, c'est moi. Non, c'est pas grave. Non, c'est Alceste. Non, mais c'est un truc bizarre. Mais oui, je vois partout des miroirs. Et cette pièce me rend fou. Je veux pas vous faire peur, mais on vous voit actuellement à la télévision aussi. À la télévision, oui, c'est formidable. Non, mais vous savez que j'ai failli devenir dingue aux répétitions avec l'histoire du miroir. C'est le pauvre Christophe Lidon, qui est un homme intelligent, lui, enfin beaucoup plus que moi, m'expliquait tout clairement. Et je voyais dans son œil, mais le pauvre, il ne comprend rien à ce qu'il dit. Et en fait, maintenant, je commence à comprendre un peu, au bout de quelques représentations. Je me régalais du texte d'Éric Emmanuel Schmitt, et je me dis, j'étais extrêmement flatté que cet homme-là me propose une pièce. Alors, ça veut dire que les autres comédiens qui partagent l'affiche avec vous, à part Jérôme Manger, dont on a compris qu'il joue le Alceste de l'époque, les autres, Julie de Bazac, Marie-Christine Daned, Ingrid Donadieu, eux, ils jouent les autres comédiens qui jouent le misanthrope en même temps dans la pièce avec moi, et qui jouent simplement le personnage, et qui ne voient pas donc ce personnage. Et qui, eux, apparaissent dans la loge de temps en temps. Ce personnage explique, par la magie de l'écriture de Schmitt, qu'il n'apparaît que à tous les Alcestes qui ont existé depuis 300 ans. Ah, alors, il me compare aux autres. Alors, c'est très original. C'est Pirandellien comme concept, un peu, je trouve. Ouais. C'est un peu plus rigolo, quand même. Oui. Et puis là, attendez, c'est énervant, c'est incroyable. C'est vous. J'ai l'impression d'avoir une pointe. Vous avez fait un trucage? Non. J'ai une pointe dans le truc, là. Non. Bon. Ou alors, il y a une photo des Bogdanov qui est restée affichée quelque part. À l'affiche de la Gaîté Montparnasse, un homme trop facile. Je regardais un peu votre palmarès au théâtre, plus de 60 pièces en presque bientôt 50 ans de carrière, c'est ça? Oh, gentil, là, quand même. On va dire 40. 40? Enfin, oui. Autant que mon année de mariage, puisque j'ai commencé à travailler le jour où j'ai... Enfin, l'année ou le mois où j'ai épousé ma chère Mike. Ça fait 46 ans, oui. 46 ans. On était très, très jeunes. Ah oui, très très jeune. Vous êtes connu en cours de... En cours de dramatique, oui, à l'époque où je voulais être chanteur, oui. Ah, parce que vous vouliez être chanteur au départ. Il paraît que vous avez fait... J'en ai marre, je dis 15 000 fois, ça va barber les gens. Ah non, moi, ça m'intéresse parce que... C'est la première fois que je l'entends, moi. Ce que je ne savais pas, c'est que votre premier casting, donc en fait, vous l'avez fait en chantant une chanson de Charles Aznavour. Oui, parce que j'ai trouvé du travail, quand je suis arrivé à Paris 19 ans, j'ai trouvé du travail 2 heures après. J'étais choriste au Châtelet... avec un directeur très sévère qui m'a dit, il est jeune, il a 19 ans, il va faire un peu de figuration gratuitement aussi quand même, en plus d'être choriste. J'étais tellement content d'être choriste que j'ai accepté, et j'ai connu Patrick Devers, comme ça, qui avait un petit rôle dans la pièce, et la dame qui me recevait à Paris, qui était une très grande directrice de théâtre à l'époque, s'appelait Madame Refoulée. Alors ça m'avait un peu retenu, mais enfin elle a été absolument adorable. Et j'ai commencé comme ça, j'ai travaillé le travail tout de suite. Mais je voulais toujours être chanteur, oui. J'ai toujours été choriste. Vous adorez toujours aujourd'hui chanter? Oui, bien sûr, d'ailleurs, je ne me prive pas. Sur ma vie, par exemple, c'est comment alors? Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et le même mot devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes. Enfin, c'est beaucoup mieux par Aznavour. Ah oui, là, j'ai pas. Et Madame Refoulée vous a engagé alors? Et Gilberte, parce qu'elle s'appelait Gilberte. Elle ne m'a jamais engagé, mais elle m'a fait connaître le directeur du Châtelet, elle m'a fait connaître mon cours d'art dramatique, Raymond Girard, ensuite... Ah, Thierry Ardisson, son téléphone qui sonne. Comment ça va? Non, c'est la réalisatrice du film. Comment ça va? Ah non, ça y est. Il se croit 10 ans en arrière dans son émission. Ça te plaît? Tu me la passes?
Non, non, je suis pas sorti du plateau. Je vais te calculer. Tu la connais, Stéphanie? Stéphanie? Non, on est sur le plateau, mais c'est pas grave, hein, tu sais. Hein. On est à la maison. Ça va? Elle était bien, Shana, non? Je vais appeler ma femme. Et là, je suis en train de niquer. Je suis en train de niquer la promo de Roland Jérôme, c'est pas grave. Mais chérie. Bon, écoute, je t'appelle demain matin, mais je crois que ça s'est bien passé pour Shana. Elle était formidable, hein, vraiment. Bon. C'est notre petite étoile. Allez, salut, hein, c'est Stéphanie. Salut, Steph. Pardon, hein, Roland Giroud. Excusez-moi, il est, vraiment incorrect. Il tout à l'heure, il a fumé. On n'a pas le droit, c'est de fumer à la télévision. Heureusement, il ne le fait pas devant les caméras. Non, il ne le fait pas devant les caméras. Je t'ai apporté un pétard. Ah non. Vous êtes pas marrant, finalement. Moi, je disais mais je pensais pas qu'il irait jusque-là, quand même. Moi, je disais bientôt 50 ans de carrière, 46, vous voyez, j'étais à 4 ans près, pas si loin. 60 pièces jouées. Comment vous les choisissez encore, vos pièces, aujourd'hui, alors? Bon, si l'histoire me branche, je me dis, est-ce que j'irai la voir, est-ce que je ferai pour la voir, simplement. Vous dites... Sinon, je la ferai pas. Puisque je le sais, on s'est rencontrés une fois. Faut pas qu'il y ait des histoires de sexe scabreuses. Donc, non, ça, c'est pour la vie, seulement. Mais pas dans le cinéma. Non, je veux pas provoquer. J'aime pas provoquer. Je suis pas un provocateur, moi. Par exemple, la pièce que Charlotte de Turckheim a jouée il y a quelques semaines avec Michel Faux et Gaspard Ulliel, qui était quand même assez provocante, ça, vous n'auriez pas accepté? Je sais pas, je l'ai pas vu, mais j'aime beaucoup. C'est quoi le Charlotte? Pitch? Ah bah, le pitch, c'était un jeune mec qui arrive dans une famille et toute la famille se le tape. C'est Théorème. Voilà. C'est Pasolini. En gros, oui, c'était à peu près ça, la pièce. Elle a fait ça, Charlotte? C'est-à-dire que dans la recherche de l'original, on va très loin maintenant, quoi. Ah oui, ouais, vous préférez... Vous aimeriez jouer un vrai classique, parce que là, au fond... Non, parce que ça me rappelle l'école, et ça me fait penser à des examens, et je ne pourrais jamais le faire. C'est vrai? Je ne pensais qu'il y a 15 000... Donc jouer vraiment le misanthrope, vous ne pourriez pas? Non, parce que 900 vers, d'abord, maintenant, c'est trop. 900 vers, c'est beaucoup, quand même. Et puis, c'est pas ce que dit Depardieu. Oui. Et puis, le fait qu'il y ait eu 18 000 acteurs avant, et j'aurais l'impression d'avoir des gens qui prennent des notes et ils disent « Oui, là, il est moins bien, là, il est plus mieux. » Non, non, j'aime les créations, j'ai fait que des créations. Dans un livre qui sortira en mars, on va l'évoquer seulement, puisqu'il n'est pas encore en librairie, mais ça s'appelait « En toute liberté », vous retracez votre vie, votre parcours, oui, les joies, les drames aussi. Mais dans les joies... Il y a la rencontre avec votre femme, Malik, et vous dites, là, à l'instant, sur le plateau, vous dites, oh, bah, je l'ai rencontrée en cours de théâtre, mais dans le livre, il y a quelque chose d'assez étonnant. Vous dites que vous auriez pu vous rencontrer 3 ans auparavant en Algérie. Quand j'étais en Algérie, oui. Expliquez. Une dernière classe à partir en Algérie au moment du cessez-le-feu. Et dans la troupe où je jouais, un soir, je me rappelle très, très bien qu'il y avait des élèves du conservatoire qui donnaient une représentation de Fedo. Et puis il y avait également un film, il y avait la machine à remonter le temps, un film anglais de l'époque. Et moi j'adore la science-fiction. J'ai dit qu'est-ce que je fais? Je vais voir les acteurs, je vais voir le film. Je suis allé voir le film, mais dans la troupe il y avait ma femme. On a dormi dans la même caserne un soir en Algérie. Bon, voilà. Et vous dites dans ce livre, ça c'est assez intéressant pour ceux qui pensent toujours, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de copains, de camarades dans ce métier, mais au fond, on n'a pas tant d'amis que ça. Et ça vous l'expliquez dans le livre. Vous dites finalement, les amis, c'est ceux qu'on peut appeler à 3h du matin ou peuvent vous appeler, mais on n'en a pas des amis comme ça dans le métier. Non, c'est vrai, si, je suis ami avec Boujna, avec Dussolier, je ne sais plus qui. Voilà. Deux. Et non, Jean-Luc Moreau. Jean-Luc Moreau, oui, oui. On est très heureux de se retrouver, mais on travaille tous. On travaille tous et c'est très difficile, à moins de travailler ensemble, de se rencontrer. Mais je suis toujours très heureux. On se téléphone beaucoup, par contre, mais on travaille rarement ensemble, c'est vrai. C'est pas facile. Mais ceux dont je me souviens, c'est ceux qui m'ont donné des bons conseils, c'est pas ceux qui me prenaient pour... Voilà. Alors, bon, dans les confidences que vous faites dans ce livre, il y a quelque chose qui va rejoindre notre journaliste ici présente et qui va l'intéresser. Ça, vous êtes quand même gonflé. Vous aviez besoin de vous livrer comme ça, Roland? Non. Non. On vous l'a demandé? Mais non, je me suis fait avoir par des gens adorables et ils vont être gênés si je dis ça. C'est des théologiens que j'aime beaucoup. Et qui m'ont dit, tiens, tu as une des choses rigolotes dans ta vie, est-ce que tu veux faire un bouquin? J'ai dit, écoute, un bouquin d'entretien, je veux bien, mais vous ne le vendrez pas. Et je le dis toujours. J'ai dit, peut-être que les gens viennent me voir au théâtre parce que j'ai une clientèle depuis 40 ans, mais ça, que je raconte un peu des choses que personne ne sait, je suis pas sûr que ce genre de choses plaisent. Alors, sauf que vous savez que quand vous allez devoir faire la promo au mois de mars, tout le monde va vous... Ah, vous n'allez pas la faire, peut-être?
Ah, si, je suis obligé d'en faire un peu, parce que j'ai accepté au départ et je suis un homme de parole. Mais je leur ai bien dit, je fais ça parce que vous me le demandez gentiment, mais je n'aurais jamais eu l'idée de faire ça. D'ailleurs, ma femme n'était pas d'accord. Elle m'a dit, non, ne se livre pas comme ça. Les protestants, les parpaillots, ne sont pas... Qu'est-ce qui va se passer quand il va faire la promo? Qu'est-ce qu'on va lui demander? Bah, alors, par exemple, non, pour ce qui est de notre couple, vous dites, j'ai conscience que Maïké aurait pu me quitter plusieurs fois. Oui. Lorsque j'ai commencé à avoir de beaux succès, je me suis parfois laissé embarquer. Mais c'était le truc de tout à l'heure, là. Par ses courants. C'est la phrase de tout à l'heure. Voilà, l'infidélité, c'est pas que vous avez cru que c'était votre phrase. Des fois. Il est difficile, des fois, oui, de résister un peu. On pète un peu les plombs quand on a un peu de succès, tout ça. Ou quand ça commence à marcher. Je crois que c'est humain. Et je suis humain quand même. Natacha Polony, Aymeric Caron. Oh non, oh là là. Mais non, vous inquiétez pas, on n'a pas vu la pièce. Non, non, mais vous n'avez pas vu, mais si vous avez lu des passages. Non, pour ce qui est... J'accepte tout ce que vous allez dire. Pour ce qui est du livre, j'ai trouvé surtout que c'était le récit d'un couple. C'est-à-dire que vous parlez de votre lien avec votre femme d'une façon extrêmement, extrêmement touchante, et d'autant plus que vous avez traversé des épreuves terribles. Et tout au long de ce que vous racontez, on sent que c'est finalement le fait d'être à deux et le fait aussi de partager une conception de la vie, la foi de votre femme également, qui fait que vous avez pu tenir. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit que je ne vous voyais pas du tout jouer le vrai Alceste, parce que dans ce que vous racontez, on sent bien qu'il n'y a pas de pessimisme profond. Il y a une tristesse profonde, mais il n'y a pas de pessimisme. Oui, il y a toujours un espoir permanent, mais il y a des choses dont on ne guérit pas. C'est vrai que ce métier, Dieu merci, me permet d'éviter de penser à chaque seconde à ce que, à quoi je pense à chaque minute. Quoi. Voilà. Alors, mais je sais de ne pas embêter les gens. Et mon souci était justement de ne pas faire de... Ce qui peut plomber les gens qui lisent ça. Bon, mais je me suis laissé avoir par ces éditeurs qui sont charmants, je vous dis, et qui sont des gens honnêtes, et qui se sont dit, oh, on va faire ça. Et puis ça m'a permis de régler aussi des petites choses quand même que j'ai eu. Avec les journalistes. Des grosses rancœurs que j'ai avec les paparazzi, journalistes. Oui, évidemment, oui, tout ça. Ça, c'est vraiment pas beau. Poursuivi. Et puis, et aussi, mais ça, je ne le dis pas pour ne pas me faire avoir un procès ou en diffamation, c'est parce que j'ai de grosses rancunes contre la magistrature qui n'a pas fait vraiment son boulot. Quoi. Voilà. Au moment où Trébert s'est évadé, et surtout quand il s'est suicidé... Non, puis les émissions de télévision qu'on me proposait, où un présentateur que je n'aimerais pas jouer le rôle de Trébert, dans cette épouvantable. Quoi. On a vécu des trucs épouvantables. Vous expliquez aussi dans ce livre combien ce métier est important dans ces cas-là pour surmonter les épreuves, comme celle de la disparition de votre fille. Vous dites... Je ne suis pas le seul, d'ailleurs, et vous me donnez les exemples. Il y a 60 vous racontez, personnes par an. Vous racontez, j'ignorais, par exemple, million. Michel Serrault, par exemple. Le jour où sa fille est morte, il a joué. Il jouait Zaza dans la cage aux folles, le jour de la disparition de sa fille. Et il a été assassiné, enfin, involontairement, évidemment, un accident de voiture par deux travestis du bois de Boulogne qui se couraient après et qui étaient drogués, enfin, excuse-moi, enfin, qui avaient bu un coup, et qui sont rentrés dedans, c'est un accident. Et lui se travestissait le soir pour jouer. Le soir pour jouer le tableau. Et Belmondo aussi avait acheté un appartement à sa fille. Elle a brûlé dans son appartement le dimanche matin. Il jouait le tailleur pour dame de Fedot l'après-midi. Il a fallu qu'il aille la reconnaître. Enfin, il y a des situations dans la vie où... Je ne peux pas dire que j'ai envie d'en parler, mais où quand on me parle des fois, où les gens dans ce métier se plaignent de petites choses, tu vois, l'audimat a baissé, merde, mon film n'a pas fait les entrées que je voulais, ou ma pièce ne marche pas comme je voulais, j'ai envie de leur dire, ah, c'est pas grave, quoi, c'est pas très, très grave. Et en même temps, je ne veux pas avoir l'air d'un pêcheur de danser en rond, j'ai pas du tout envie de diminuer leur peine ou leur rancœur, mais c'est lourd, quoi. Aymeric Caron. J'ai pas eu tout à fait la même lecture que Natacha. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai trouvé très émouvant. Ah, écoutez, merci. Non, c'est vrai. Pour moi, c'est même pas une biographie. C'est un essai. C'est presque une confession pour moi. Et ça parle beaucoup de spiritualité. Ça parle, selon moi, vous allez me dire si c'est vrai, c'est comme ça que j'ai lu, de la finitude humaine qui vous fait souffrir depuis que vous êtes tout petit, à laquelle vous essayez de trouver une solution dans la religion. Et j'ai été très frappé sur ce que vous dites de vous-même, je vous trouve très très sévère avec vous. C'est même étonnant que vous ayez ce parcours d'artiste, artiste, homme de théâtre, homme de cinéma, on pense à celui qui aime se montrer. Et vous, ça semble être tout le contraire. Vous êtes très modeste, vous semblez même ne pas vous aimer, vous expliquez très petit, vous disiez mais finalement je ne devrais pas être là. Vous dites des choses sur votre femme, vous dites mais je ne la mérite pas. Ah, c'est vrai. Vous dites, là depuis tout à l'heure sur le plateau, on vous a entendu plusieurs fois déjà vous...
vous rabaissez, vous sous-estimez, vous regardez dans la glace, vous dites c'est quoi cette horreur, vous parlez d'un ami, vous dites mais il est beaucoup plus intelligent que moi, vous mettez à chanter, vous dites Aznavour chante beaucoup mieux que moi. Oui. Tout est comme ça chez vous. Mais j'ai besoin d'admirer. On a l'impression que vous aimez pas beaucoup. Des gens que je trouve supérieurs à moi. Oui, on a l'impression que vous sous-estimez. Non, je ne me sous-estime pas, j'ai beaucoup souffert de mon enfance, oui, d'avoir un père autoritaire et de ne pas réussir à l'école alors que j'avais un frère brillantissime et beaucoup de gens brillantissimes autour de moi. Et par contre, je faisais rire les amis de ma mère, je faisais rire mes copains. Et ça, j'ai dit, tiens, peut-être, c'est une idée qui m'a plu. Mais vous ne cessez de pointer ce que vous nommez, vous, vos limites, vos défauts. Oh, mes défauts sont énormes, mes limites sont énormes, oui. Mais je suis fiable. Vous racontez d'ailleurs à propos de votre papa que ça, c'est un de votre grand regret, c'est de ne pas avoir pu lui dire que vous aviez un premier cachet en tant voilà, qu'artiste. De ne pas m'avoir vu faire l'acteur et l'avoir été au restaurant, lui avoir acheté des choses pour lui faire plaisir. Enfin, on n'était pas dans la misère, mais ça, c'est mon très, très grand regret. Oui, parce que quand j'ai dit que je voulais être acteur, ma grand-mère est tombée dans les pommes, elle a dit, ma grand-mère était très, très âgée, maintenant elle aurait 110 ans. Et elle s'est mise à pleurer en disant « Oh là là, il va aller de bar en bar boire de l'absinthe !» Elle était effondrée de ça. Et mon père m'a dit « Mais tu ne vas pas faire ça, c'est une honte. En fait. Mais est-ce que tu vas en vivre d'abord ? Sois comme moi, le directeur des PTT, enfin, ou ton frère médecin, là tu vas faire quelque chose, mais là qu'est-ce que tu vas faire ? Ça va être épouvantable. Tu vas rien réussir. » On m'a persuadé que je ne m'en sortirais pas. Alors je ne dis pas que j'ai réussi, mais enfin j'ai réussi à vivre dans mon métier. Pas mal d'ailleurs, et j'en suis très heureux. Et ça, je regrette énormément. J'ai eu beaucoup de décès moi, dans ma famille, très tôt. Ouais, un copain de classe au départ. Hein, au tout départ, vous racontez que votre meilleur copain, vous aviez quoi, 6 ans, c'est ça ? 6 ans, oui. Et un psy. Vous avez été confronté plus tard, à la mort très vite. Très tôt. Et un psy, que j'ai contacté plus tard pour des raisons X, m'a dit que quand j'avais passé ma tête dans les bars du pont de Rabat, où je suis né au Maroc, pour regarder en bas et que les pompiers ont mis 2 heures à m'enlever, il disait que je voulais me suicider tellement que j'étais triste de la mort de mon petit copain. Oui, et c'est possible. En même temps, vous dites que vous-même, vous avez souvent échappé à la mort. Vous dites que vous avez connu 14 accidents de voiture. J'ai eu 14 accidents de moto, je fais beaucoup de moto. Voilà, et à chaque fois, vous qui êtes croyant, vous racontez dans lui, vous croyez à l'âme qui survit au corps. Je crois plus qu'en moi-même, oui. Est-ce que vous pensez, par exemple, que vous avez un ange gardien? Ah non, ça je pense pas. Je pense pas parce qu'un ange gardien, il m'a pas beaucoup préservé jusqu'à présent. Non, mais. Et justement, drames que vous avez vécus, c'est une question un peu bateau, mais ça vous a pas fait remettre complètement en question votre rapport à la religion ? Ah non, pas du tout. Pas du tout, non. Pas du tout. En vous disant, mais si Dieu existe. Enfin là, c'est la question qu'on peut naturellement poser. C'est la question qu'on pose que tous les incroyables. Si Dieu existait, un avion tomberait pas, il n'y aurait pas de sens. Ouais, non, mais la vie ici n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de préparer sa vie future. C'est pour ça que j'aime tellement l'idée de Jésus-Christ qui dit aimez-vous les uns les autres pour que la vie soit supportable, ce que personne ne fait. Car si tout le monde a essayé de faire un effort pour s'entendre, là je suis très très sérieux là-dessus. J'adore séparer des gens qui se battent. J'ai failli me faire tuer plusieurs fois par des gens qui se battaient dans mon couteau. Ma femme était folle de peur, mais je ne peux pas m'empêcher. Quand je vois des choses laides, je ne peux pas m'empêcher de le dire, mais d'essayer d'aller dans le bon sens. Je ne suis pas prêcheur, mais je sais au fond de moi, mais très profondément, que je ne peux pas faire autrement. Et que si je vois quelqu'un qui ne me plaît pas, je vais essayer de lui plaire et de lui dire non, on va être copain. J'ai profondément envie de lui dire non, on ne fait pas ça parce que tu vas te faire du mal, tu vas te faire du mal à des gens et finalement, ça va te faire du mal. Et sur le drame qui a changé votre vie, la disparition de Géraldine, il y a quelque chose d'important que vous dites dans le livre et qui note bien la différence de votre rapport à la religion par rapport à votre épouse, Mike. Vous dites elle a été capable de pardonner. Pardonner oui. à Trébert, pardonner à l'assassin oui, oui. De votre fille, vous, pas. Oh, disons que si je l'avais rencontrée, j'aurais eu du mal, oui, mais elle a raison, c'est pas à nous de juger. Voilà. C'est pas à nous de juger. Et si. Ça retouche le problème du misanthrope dans notre pièce, dans l'homme trop facile. Quand je parle des indignés, arrêtons de nous indigner tout le temps contre les autres, indignons-nous contre nous-mêmes aussi, parce que nous ne faisons pas le dixième de ce que nous pourrions faire dans une journée, même si on n'a pas un rond, même si on est malade, pour aider quelqu'un qui va plus mal que nous. Et le soir, et puis je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça, mais le soir où j'ai joué, alors qu'on venait... Le juge d'instruction me dit, avec une voix très neutre, on vient de découvrir deux corps, M. Gigot, je pense que c'est votre fille, hein. Ils sont là depuis un mois, vous voyez, ils étaient rien, dans la terre, comme ça, avec 500 kilos de pierre par-dessus. Et je suis allé jouer, et je suis persuadé que ce soir-là, où je ne sais pas comment j'ai joué, mais je ne sais pas comment, enfin j'avais joué déjà 80 fois la pièce, hein, il y avait dans la salle des gens qui allaient peut-être plus mal que moi, j'en suis sûr. Et je me disais, mais j'ai une chance extraordinaire, quelle noblesse que mon métier
de faire quand même cet effort pour cette personne qui va peut-être plus mal que moi, qui est peut-être en cancer, en phase terminale, ou que sa femme vient de quitter, ou que son enfant est malade, et je vais jouer quand même pour lui. C'est formidable, le métier que je fais. Vous dites aujourd'hui, je pourrais m'arrêter de jouer, même si la retraite des comédiens, c'est dans le livre, même si la retraite des comédiens est vraiment misérable, mais comme j'aime ce métier, comme je suis encore en forme, comme j'ai la chance d'être toujours sollicité, je continue. Il faut aussi reconnaître que, et c'est un tantinet morbide, j'ai perdu pas moins de 15 copains de mon âge dans le métier ces dernières années. Je suis à un âge où on a de moins en moins de concurrents. Je peux encore répondre présent pour des rôles intéressants. C'est vrai. Et ben voilà pourquoi vous êtes dans la pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, à la Gaîté Montparnasse. Un homme trop facile, avec Jérôme Anger, Julie de Bazac et toute une troupe. Un auteur à succès. Vous avez le droit, vous aussi, Roland Giraud, à vos tweetos. Par exemple, le lion, ça m'intrigue. Alors, allons-y. Pour le lion, le numéro 5. Rebelle, lion, Frédéric Giraud. N'est-ce pas trop difficile, quand on est français, de jouer le rôle d'une personne aimable, aimante et tolérante? Ah, question. Oui, c'est intéressant, parce que j'ai un peu voyagé quand même, et c'est vrai que je trouve que les Français ne sont pas toujours très aimables. Ouais, ça, c'est dans le livre, d'ailleurs. Vous dites les chauffeurs de taxi, quand on arrive... Ah, c'est terrible, terrible. Oui. J'arrive de Londres, là, c'est un bonheur total. Il y a sans arrêt des taxis, ils s'arrêtent, ils plaisantent avec vous, ils emmènent où vous voulez. Il y en a un qui m'a même remboursé une partie de la commission, parce qu'il y avait un embouteillage. Et en France, pardonnez-moi, messieurs les taxis, il y a un texte des proches extraordinaire. Monsieur le chauffeur BRR 75, je ne peux pas lire là, mais qui est terrible, mais qui est magnifique. Et je regrette, pourquoi, je ne sais pas pourquoi ces gens-là ne s'arrêtent pas, ou à moi, peut-être ma tronche, ils ne s'arrêtent pas, ou alors ils ne sont pas aimables, ou je ne sais pas, enfin il doit y en avoir des gentils, mais excusez-moi monsieur le chauffeur de taxi, hein, mais franchement j'en ai vu qui n'étaient pas sympas. Un deuxième numéro au hasard. Ben écoutez, je ne sais pas qui du tout qui est le monsieur en bas à droite. Le numéro 6, on va le savoir. Quel tweetos se cache derrière ce numéro? David Degimbre qui dit: Roland Giraud, est-il vrai que vous avez fait cadeau du colis tant convoité dans Trois hommes et un couffin à Thierry Ardisson? Do you remember that? Non. Ah, vous ne vous souvenez pas du cadeau du colis dans Trois hommes et un couffin? Ben, c'est le cadeau du colis, c'est le bébé, non? Ah non! Le cadeau du colis. Ah oh, c'est quoi? Ah non, non, ah non, non, oui, je te... Non, non, ça, je ne suis pas du tout là-dedans. Non. Il avait... Non, je l'aurais pas fait. Là. Je peux tout lui offrir, mais pas ça. Allez, un dernier numéro. Bon, sur le pape, allez. Le pape, le numéro 3, qui a été choisi par Thierry Ardisson aussi tout à l'heure, pour Pontifex. Roland Giraud, le film Trois hommes et un couffin est une honte. Une famille, c'est un papa, une maman et un couffin. Ça, c'est plutôt rigolo. Hein. Voilà. S'arrêter là-dessus, vous pouvez rejoindre votre place. Merci. Merci Roland Giraud. À la Gaîté Montparnasse. Dans Un homme trop facile, d'Éric Emmanuel Schmitt.